bonsoir pour nous toutes. Encore une fois, nous comptons entrer la caillou avec une nouvelle vidéo que nous portons pour toutes fanatiques nous. Et pendant nous dit merci à toutes ces là, toutes nouveaux et anciens abonnés nous. Nous dit merci le fait que vous faites choix de TV la caillou Haïti.com pour informer sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Gros information que nous portons pour là, et bien aujourd'hui, qui c'est 4 janvier 2023, pasteur Amel Lafleur te gen pour le paraître devant parquet, et bien, monsieur Pamete Piel, et aujourd'hui, là, commissaire Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, dédoublé, et monsieur mette interdiction de départ pour Amel Lafleur, quel que soit côté où tu as croisé monsieur, a tenté de sauver quitter pays, a maré monsieur Koukrab, parce que ça c'est une insulte à la loi. Et bien je dis à la, nous avons dossier parce que Amel Lafleur a fait gros parler de lui, en pile moun voye pied, en pile moun et a demandé pour mettre pasteur à réfléchir yon côté, parce que c'est pas possible pour yon pasteur à faire yon telle action à propre petit tout. Et c'est une raison qui fait réseaux sociaux prendre du feu, réseaux sociaux a tremblé. Amel Lafleur, monsieur, encore une fois, fait causer. Et là, nous songeons bien, pasteur a gagné déjà des diverses accusations sous Paul. Et le même a jugé déjà avec une demoiselle, ou bien nous dit une dame, parce que, ouais, une dame, qui lui-même était passé en bas moulin. Et pasteur Amel Lafleur, elle était petit, pasteur a été violé, elle fait qu'on ait un démon, il y a un diable, il y a un Lucifer dans la tête, li, et c'était pour pasteur ATK manger, ti dame nan, bien manger. Et donc je dis à la, commissaire Lafontaine, M. Jacques Lafontaine, et donc monsieur, dédoublé, il mettait interdiction de départ pour Amel Lafleur, et quel que soit côté, ou t'as croisé Amel, tant qu'il était pays, a pas hésité, relé la propos. Pour vine maré monsieur, parce que action ça mérité sanction, mérité punition. Mesdames et messieurs, nous allons inviter ou garder M. Jacques Lafontaine qui lui-même tabaye plus de détails sur absence Amel Lafleur qui était jeune invitation non paquet qui pas mettait pied. Et bien qui fait jodi à la bagala commencer plus compliqué pour Amel Lafleur. Dossier Claude Joseph avec un journaliste Busta John. Paul la parlé, gros problème penché sous tête Claude Joseph après et combinaison avec Busta John qui déjà c'est un journaliste Cap Corée et Genève en famille et allié main tout main yon qui gen en tête li Jimmy Cherizé et barbecue. Et bien je dis à la autorité canadienne yo qui déjà a panta et pot crayon yo pour commencer biffer ti Claude Joseph en bas gros punition, en bas gros sanction à tout un journaliste Busta John. Nous pral invité ou en tout détail en dans vidéo ça. Restez connecté, bonne écoute, bon mercredi, n'a pas tourné pour une prochaine vidéo. La presse en ligne, présent ce matin sur la cour du parquet de Port-au-Prince. Bien sûr, votre présence se traduit par le fait que j'avais provoqué le pasteur Amel Lafleur à se présenter par devant le chef de la poursuite pénale ce matin pour les faits portés contre lui, notamment les attouchements exercés donc sur une fidèle de son église, et ce qui constitue, au regard de l'article 283 et le décret du 6 juillet 2006 qui renforce ce texte légal, et c'est une infraction pénale punie d'une peine correctionnelle. Et je crois que c'est dans le cadre de cette invitation que votre présence se manifeste ce matin au parquet du Port-au-Prince. Et à cette phase, je dois dire à l'opinion publique, à tout le monde, à vous journalistes de la presse en ligne, que je viens de recevoir une correspondance émanant du cabinet droit et équité qui dit que c'est au avocat pasteur Amel. Et maintenant, moi, je pensais que la connaissance après le public, on m'a dit ça publiquement, par cette correspondance, avocat a sollicité du commissaire du gouvernement un report de cette invitation. Et ils ont tout fixé à la quinzaine et m'a dit qu'il n'y a pas de droit à ça.
Donc c'est moi qui connais pour qu'il l'autre jour pour Bailly. Maintenant, le droit sollicité au report d'une invitation, c'est à bon droit pour m'accorder. Et que maintenant, nous n'avons pas encore d'éole, même pas le prendre disposition, et nous avons connu dans les prochains jours, m'avait invité par soir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi, et je crois que déjà, vendredi ou lundi, tu as de répondre de l'invitation. Donc, bref, mais m'a dit pour l'opinion, et pour le monde, pour la société, que comportement, agissement, parce que Amel révolté, il choque le monde, il trouble l'ordre social. M'a dit que, en tant que technicien du droit, professionnel du droit, je dois dire la vérité et rien que la vérité dans tout ça. Et le texte qui punit le comportement du pasteur Amel, l'article 223, il y a deux dimensions là-dedans pour nous comprendre. La première dimension, sans interprétation, hein, mais la compréhension du texte, mais pas l'interprétation du texte. Parce qu'en matière pénale, le texte est de stricte interprétation. Nous sommes dans la compréhension du texte, mais non dans l'interprétation du texte. Le texte dit quoi? De côté, le texte parle de outrage public à la pudeur. Et premier monde, ça concerne, c'est le commissaire du gouvernement, en premier lieu. La société, l'opinion publique, et que moi-même, ça vaut caillou, ça vaut société. Donc, nous concernons au premier chef. Mais deuxième volet, aspect texte-là, il parlait de monde, la personne qui est. Qui se sent blessé dans sa pudeur comme dans son honneur par ses attouchements. Et si cette personne-là qui se sent blessée dans sa pudeur ne porte pas plainte, n'est pas capable d'arrêter Amel, n'est pas capable d'exercer contrainte par corps contre lui. Mais si la fille, sa fidèle, par contre c'est petite-lui, n'a pas gagné preuve que petite-lui, moi je dis fidèle-lui, si fidèle a été portée plainte dans le paquet, depuis hier, parce que Amel t'a prétend, derrière barreau. Deux bras, elle tape marée et tape deux barreaux. Maintenant, étant donné que test qui punit comportement, ils sont punis de peine correctionnelle de 3 mois à 1 an, en matière correctionnelle, la détention n'est pas obligatoire. Je reprends. En matière correctionnelle, en matière d'une peine correctionnelle, la détention n'est pas obligatoire. D'accord? Donc l'article 166 du CIC trace la procédure. Maintenant, il appartiendra au tribunal, à la juridiction, à la police correctionnelle de décider de la contrainte par corps du pasteur Amel Lafleur. Et il parle pas d'audience qu'a fait la position, là, nous parlons de citation correctionnelle, citation directe, et au terme et à l'issue de cette audience correctionnelle, il parle qu'on est, d'accord, qui peine, il parle encouru par rapport au contrat. Ça, c'est le droit, ça, c'est la loi, c'est la vérité juridique, rien que la vérité. Et je dis en cela que on est capable d'école, même côté avec Michel Lafontaine, on est la même promotion avec, on est capable avec 4 ans de droit, même côté, même faculté. Tout comme on est capable de même, on est capable d'aider au droit. Mais c'est dans les nuances, et dans les subtilités, et dans les contradictions juridiques, c'est dans ça qu'on peut avoir une différence entre deux mondes qui font droit. Entre deux mondes qui fait génie civil, entre deux mondes qui fait mathématiques, qui fait finance publique, qui fait administration. Donc samedi, c'est la loi, c'est le droit. René n'est pas avocat, que t'es avocat, ancien avocat comme jeune avocat, qui connaît, qui connaît lit et qui connaît bien, regarde samedi là, c'est la vérité, rien que la vérité. Donc moi-même, moi dis que dès ce matin, vous le voyez, à l'immigration, ils ont interdiction de départ contre eux. Le pasteur, le révérend pasteur Amel Lafleur, pour aller faire de l'empêcher de quitter le territoire parce que, et je crois que l'interdiction est déjà en route, d'accord, Lucien Instrumentin est déjà en route vers l'immigration pour que nous ayons interdit pasteur à départ, quitter le pays parce que fait assez grave, il y a révolte la conscience collective, il y a révolte la société, il y a révolte le monde. Donc, pas de question, que pas présenter, il faut le présenter, il doit se présenter. Et aujourd'hui même, Lucien Instrument est déjà en route pour expédier une mesure provisoire d'interdiction des parents. Alors, CG, si toutefois elle n'est pas à répondre à la deuxième convocation, qui a fait réaction? Eh bien, réaction, on va prendre les nids s'il n'est pas à répondre. Même bon, garantie, il n'est pas capable de répondre, parce qu'il perdra de toute façon. Merci.
suivi psychologique. Ou bien pour la justice faire maintenant côté pour faire réfléchir sur la question que la fait. Peut-être si vous nous avez dit que vous avez besoin de psychologues, parce que si papa va abuser depuis tout petit, c'est ça qui vient comme exemple. C'est là que papa va comme exemple pour faire des bagailles qui comptent la norme, qui comptent la société. Je ne peux pas comprendre que c'est abusé, papa va abuser. Quand vous avez des psychologues, des personnes responsables pour parler avec eux, qui pour aider ou pour accompagner. Alors, pasteur a dit fait ça au sein de l'église. Hein? Ça veut dire que tout fidèle lui était présent. Et jusqu'à maintenant, fidèle n'a pas critiqué. Peut-être action c'est là qui fait là. Est-ce que vous pensez, nous-mêmes en tant que femmes ou bien organisation femmes qui vidéo, est-ce que nous pensons qu'on a fini par joindre une solution ou du moins ce résultat avec le problème? Bon, nous pensons que tout ce pas tourné, nous pas critiquer. C'est ça que fait nous-mêmes en tant qu'organisation de femmes, même si nous faisons formation, sensibilisation sur question de violence, c'est même gens qui nous fait formation avec sensibilisation sur éducation sexuelle. Maintenant, la formation nous fait sur l'éducation sexuelle, nous ne pouvons pas prendre un garçon mais des chita sur nous, à pour les grenouilles ou bien faire quoi que ce soit. Nous pouvons parler, nous expliquer pour nous, mais comment nous faisons des choses. Mais nous ne pouvons pas faire des images à main pour nous, parce que comme nous n'avons pas de marchandises, comme nous sommes même ces petites, quelle que soit la relation, nous sommes des madames, nous ne pouvons pas exposer devant nous à main. Parce qu'au plus profond de nous, nous sommes à l'aise. Nous sommes des actes privés que liés. Relation sexuelle, c'est un bagage public que nous avons fait dans toute la rue. Parce que les gens qui ont plus peur, qui sont sensibles, pour que les gens leur fassent devant nous, déranger. Si nous regardons dans l'image, les gens qui ont des maris qui ont forcé pour la bouche, ils ne peuvent plus voir avec Maria parce qu'ils sont mal à l'aise. Nous pensons que les bagages, ça a eu même fait formation pour nous expliquer, nous ne pouvons pas forcer pour nous faire dans le grand public. Nous pensons qu'il y a un minimum de respect pour nous dans la société. Et nous-mêmes, pour 2023, en tant que fédophiles, nous pensons que les bagages, ça a eu une bataille pour nous parce que nous bouquons avec toutes les femmes qui ont violé. Pas jamais des gens qui parlent pour eux. Nous bouquons avec toutes les actes malhonnêtes qui ont fait sous forme. Pas jamais des gens qui parlent pour eux. Parce que nous avons l'État qui est démissionnaire. Nous avons l'équipe partie politique qui a fait par eux. Il y a des intérêts personnels qui ont géré. Nous-mêmes, nous disons que 2023, la société peut rester le même. Pour nous-mêmes, nous disons que c'est un peu barré. Ça fait vous, on va vous battre. Mais moi, c'est là que je vais la parler. Il ne pas parler, il est habitué. Bah on est qui diole mais ça me balle de la bague trop pour nous en Haïti connait. Dans le moment où on a parlé là, le Canada a étudié possibilité émission pour prendre sanction contre l'ancien premier ministre Claude Joseph. Quelle sanction qu'a étudié là pour prendre contre Claude Joseph, ancien premier ministre pays non. Maintenant, pour qui ça? Radio Omega. Pour qui ça? Puisque, ah ben raison. Le Canada te gagne de sanctions liprin contre mon camarade qui est le Boustadion, ou bien qui est le petit Boustadion, parce que le Canada confie l'eau avec Genève en famille et allié, et que nous rappelons une photo camarade ça qui t'a circulé avec barbecue, qui t'a fêté dans la saline. Eh bien, l'activité que tu as couru de Claude Joseph Canada, c'est Boustadion ça. Qui te yon nan moun ki tap fè kampay, se yon nan moun ki tap planifi aktivite ya, se yon nan moun ki te défense aktivite ya, et nan video nou gen yo, nan pwè Boustadion nan mi tap filme. On mwibite samedi ya. Gede sanction ke le Canada a étudié possibilité pou yo pren la, kont ancien premier ministre, Claude Joseph. Pour qui ça? Parce que le Canada l'été prend sanction contre Boustadion parce que l'inconnivence à gang surtout Genève en famille et allié et a gain du bada même qui était lancé et nous rappelons tout photo ça qui était très viral sur réseau social yo Boustadion et le chef de Genève en famille Dimi Chérigé dit barbecue côté que nèg yo te descend en bas la saline yo t'a fêté yo t'a distrait. Eh bien, Claude Joseph, qui te gagné pour lui aller au Canada, quand que le tal parlé avec Haïtien, le tal parlé de aider, Boustadion, c'était un défenseur,
Boustadion, c'était un planificateur. Boustadion, c'était un monde qui était à promouvoir activité ça. Mais maintenant, le Canada se dit. Quel lien qui existait entre Boustadion et Claude Joseph? Et des pas lien qui t'a capable d'exister entre Boustadion et Claude Joseph tout, est-ce que lien ça a eu pas arrivé entre Claude Joseph et Dimitri Rizier ou bien Genève tout? C'est ça qui fait des analyses qui ont fait là, c'est ça qui fait des sanctions qui ont préparé là, c'est ça qui fait des approches, des réflexions qui ont fait sur le dossier ça. Puisque vous êtes d'accord avec moi, si vous avez toute relation ça, si vous avez tout lié ça, émission si vous avez toute amitié ça, si vous avez toute amitié ça entre Claude et Boustadion, et que pas même besoin de parler de relations amitié, amitié ou bien lien entre Boustadion et Jimmy Cherizier ou bien Genève, puisque photo ont été témoignées et nous toutes connaissons information. Bref, et maintenant, si attendez là, c'est en rediffusion. Le Canada sanctionné le chef de Genève, Jimmy Cherizier. Eh ben, si le sanctionné Jimmy Cherizier a plus forte raison, les cas sanctionnés Boustadion tout. Et si existe relation ça yo entre Boustadion et Claude Joseph tout, est-ce que pas une possibilité pour Claude avec Genève ou bien Jimmy Cherizier tout a gain de relation? OK? Eh ben, de manière symétrique, si m'te ka dire comme ça, il a étudié des rapports ti Claude avec Genève en famille alliée pour regarder si était capable imposer des sanctions sur lui. Ça c'est la nouvelle. Et même si on a fait un lien à fini, sanction n'a pas tombé. Commencement janvier, tu as commencé à venir tout. On a une bonne nouvelle. OK? Puisque nouvelle, rété, nouvelle. OK? Nouvelle, rété, nouvelle. Si on attendait là, c'est en rediffusion. Et je vous dis, il y a une réalité pour nous connaître, nous-mêmes comme Haïtiens, il y a des gens pour nous connaître comment pour nous faire. Et je me rappelle pour nous, ça m'a dit là, je fais des approches. Ce n'est pas, c'est pas barbecue qui sujet, je voulais nous comprendre ça. Ce n'est pas barbecue qui suit le matin, hein? C'est Claude Joseph. Ça veut dire, ce n'est pas des dîmes, chérie, je vais parler. Émission, on attend de là. On analyse pour montrer nous les liens qui existaient. C'est comme si je mettais dîmes, chérie, à deux côtés pour me garder Boustadion et Claude Joseph. Je vais garder Boustadion et Claude Joseph. Boustadion, c'est un défenseur. Boustadion. Si on attendait là, c'est en rediffusion. Boustadion, qui t'a planifié Vini Claude Joseph Canada. Et Canada t'a pris des sanctions contre lui. Canada prend des sanctions contre Jimmy Cherizier. Relation qui gagne entre toi, Genève ou bien Boustadion, les cas gagnent tout entre Claude Joseph et Boustadion. Entre Claude Joseph et Genève. Donc, il y a étudié des bagailles comme ça. Et m'espérer, nous qui aimons ça, faut qui aimons lui, on côté. OK? Qui aimons le fort, et nous avons qui aimons lui, mettez lui, on côté. Je vais regarder des bagailles, puisque. Nouvelle là, l'irrité nouvelle. Émission WhatsApp, information, rété, diffusion. Information, et que du bagay, nous devons connaître. OK? Nous devons connaître. Jodi à la, nous avons des photos en bas, j'aime là. Les bois, ils viennent à Genève.
progrès, puisque photo m'a regardé là yo, ces photos bienvenue Bous Fondation Bous Stadion dans ghetto wa dans ghetto yo connaît dans ghetto wa chargé talent comme ça côté Bous Stadion dans ba Genève et côté le Canada tout dans Capaïti Claude et mon gars photo tant que l'autre nèg Jérémie te dit j'ai les photos sous mon téléphone. OK, m'espérer l'administration canadienne gain possibilité là pour man et Claude Joseph fort dans titan k'ap vinn là yo et nous rete pour nous faire. Samedi soir t'ai gain réunion pendant toute la nuit entre Mirland Hippolyte Maniga Radio Omega et Ariel Henry. Réunion pendant toute la nuit entre Mirland Maniga et Ariel Henry. Et gon réunion fini presque 4 heures du matin. M'dou vous dit depuis côté deux trois moun réunion parler politique là. Et blanc poko a de bon œil HCT ça ou bien HTC ya, puisque il y a des acteurs là qui signent ou bien il y a des acteurs qui ont préparé pour signer là. C'est pourquoi eux même que ont besoin, c'est pourquoi eux même qui capable représenter ça n'était capable reler là dit gon consensus ou bien gon accord, puisque majorité monde qui t'a signé pendant ça avant samedi et dimanche c'était monde qui était dans accord déjà. Et là li mande m pou m retourner sou moun yo. M pa konn Laurent Saint-Cyr, mais camarade bon côté m nan di m se nèg ti moun moun yo nan secteur privé ya. Boko jan pale avèl tout nan booster. Mais Mirland Hippolyte Maniga vin la même face à face avec nan studio Radio Mega nous fait booster déjà. Et yon nan bagay ke m toujou di pas style de monde qui voulait détruire monde, pas style de monde qui dit ça, pas qu'on est de monde, et c'est peut-être ça après tout ça dit dans booster à nous fini, parce que c'est la vérité. On est qui doit pas d'accord, on est qui doit pas aimer analyse, mais la vérité arrive dit nous fini, et c'est ça que fait grande demoiselle yo te nommé non poste là dans booster à de chita moi ma camarade là yo nommé les doit installer. S'il pas installé, c'est incapacité. Ministre qui domine là, avec directrice qui était dans poste là, qui pas de souti. Bref, kounya, et demoiselle, ça tient à ce que mon cher Oumanez ait un problème parce que la frappe est bosse. M'gal don ti baol tout à l'heure là. Mais là, Hippolyte Maniga, il construit ça, il construit dans le pays a déjà. Non seulement de par lui-même, et de, avec son couple. L'homme dit son couple, m'a parlé de. Le professeur Maniga et sa femme. Couple Maniga. Il construit ça, il construit ça. Mais il y a des bagailles. C'est le professeur Maniga qui construit pour contre lui. Il y a des bagailles. C'est Mirland Hippolyte Maniga qui construit pour contre lui. Il y a des bagailles. C'est le couple Maniga qui construit. Tout comme vous-même qui avez madame. Tout comme vous-même madame qui avez mari. Ou avez d'accord avec moi. L'autre est fait dans zone ou bien quartier, département, commune, circonscription. Quand l'autre est fait. Soit dans l'association de Basio, soit dans l'association populaire, soit dans le groupe l'église, soit dans l'école, soit dans l'université, ou construit de bagailles pour compte. Et femme et garçon. Mais maintenant, quand nous venons nous marier avec coupe ça, nous continuons à construire de bagailles. Donc c'est ça que nous faisons. Professeur Maniga, madame Maniga, nous chaque construit de bagailles pour compte, mais le couple Maniga construit de bagailles. Tirer pied blanc pour te comprendre, et c'est ça que fait après Caribé, madame la lime tout le temps, font-ils passer pour regarder qui est capsien, qui est sur gain. Et nous rencontre fait vendredi soir, bien samedi soir, pendant toute la nuit. Madame Maniga, avant de prendre mi coup avant hier, l'Isla Sotia Mrilil, Balavel, le dimon, rien n'est encore officiel. Mais toutefois, elle te dit, il est entré dans la démarche là. Laurent Saint-Cyr, par contre, lui-même, par contre, Balavel, et je ne sais pas si je suis capable de faire un numéro, mais je ne sais pas si je suis capable de faire un numéro.
Mais pasteur Calix Florida, je parle à Calix Florida plusieurs fois comme responsable Fédération protestante d'Haïti. Et je dis, pasteur Calix Florida, qui a un camarade qui est le Domingo Jula, qui fait le comprendre que le cabal la société civile, depuis le gain Navel, il gagne la société civile. Pasteur Calix Florida, il va peut-être une miraille, si c'est comme ça. Et Domingo Jula n'a pas qu'à bailler toute société civile, puisque Domingo Jula n'a pas gagné la société civile. Domingo Jula, son aide, comme c'est mon équipe gouvernement là, pendant pour pouvoir monter le coup, il forme des trois associations là, il dit qu'il y a une société civile, et avec Mounsa, il y a trois ministères, il y a le job, il y a l'argent d'ailleurs qui t'a payé débloqué 83 avant hier, je dit ça avant hier. Mais pasteur Calix Le Rudog, il est tellement fait Domingo Jula confiance. Oui, Domingo Jula dit, depuis la veille là, c'est la société civile qui gagne. Faux et archi faux. Là, je vais plus devant, je vais expliquer nous qui c'est Domingo Jula, qui est-ce qui est Domingo Jula. Faux et archi faux. Même vous voulez me rappeler nos amis auditeurs, on l'autre réalité qui gagne la question ça. Et ceci, c'est ça? Vous pouvez rendre compte que pouvoir, il y a pral fin si un document ça, il n'y a pas 6 mois encore, il n'y a puisque c'est même mon 11 septembre, c'est même mon 11 septembre qui te signé, et il y a des directeurs généraux qui ont fait partie politique là, qui veulent signer encore, soit pour montrer à Ariel avec eux, ou bien pour eux qu'imbé posio. Fizeme Ignace Saint-Fleur, le directeur du BMPAD, Bureau Monétisation d'Aide au Développement. Bureau Monétisation Programme Aide au Développement, BMPAD. Fizeme Ignace Saint-Fleur, Gepatipal, qui est le patriote national natal, natif natal. Dito Edouard, directeur d'INEPA. Ligue résout à la tête mais c'est n'a pas créé parti politique bon et puis tout net ainsi encore après ça moi ça à cause ça cabaille donc où on compte que on t'a dit gain 18 ministères et que t'as gain 18 directions générales donc est-ce que 18 directeurs généraux ça pour chaque fois construire parti politique il va le signer encore ça et a dit mon cher à quoi un paquet de monde c'est plus que t'as l'air dire 2 millions monde ou bien 2 millions antitexien bien compté mal calculé. Et la concertation pour un compromis historique, la concertation pour un compromis historique, lui-même, l'était signé à Kosaha, 24 décembre qui se passait là, était samedi. C'est Radio Omega. Emmanuel Ménard qui était signé pour eux. Là, je parle de...